partout, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère. Oh, vous êtes où? Attendez, parce qu'il y a des keufs devant. Du coup, tu m'as dit quoi? Tu m'as laissé l'orange? Ouais, c'est les petits bâtards là. En plus, tu sais que ça tire à l'automatique et tout, hein. Ils vous ont tiré dessus? Non, dans votre terrain, ça tire à l'automatique. À la fête foraine? Ça dit quoi alors? Bah, rien et toi? Pas être mignon comme ça pour faire la guerre, Céliane. Merci mon frère, merci, t'es un bras. Par contre, j'ai perdu mon dégradé. Force à toi, les contours, c'est pas trop ça, hein. T'as le numéro d'un des bâtards ou pas? Ouais, je suis en train de les appeler là. Par contre, j'ai un trou. Mais je pense que c'est la même. Allô, hein, ouais, tu m'entends, Marcus? Ouais, je t'entends, j'étais en train de mettre de l'essence, dis-moi. Ouais, tu mets de l'essence, pourquoi? Parce que tu chasses des hommes à moi? De quoi? Tu chasses des hommes à moi là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'es en train de chasser des hommes à moi là. Je sais que ces caillots ils sont venus te voir, ils t'ont dit, ouais, attrape James. Non. Comment ça, non? Oh, les frères, nouvelle coupe, vous kiffez ou pas? Pourquoi? Bah, pourquoi tu. Bah, dis-moi la vérité, si jamais. Tu savais pas? Non, attends, mais c'est qui les hommes à toi? James, je viens de te dire là. James. Ouais, des oranges. Attends, je te rappelle, 2 secondes. Non. C'est le bordel à ma radio, 2 secondes. Je te rappelle dans 5 secondes. Vas-y. Ouais, allô? Ouais. Ouais, du coup? Ouais, bah ouais. Du coup, ouais. C'est bien vous? C'est ça. Ben, évite. Ok, ça marche. C'est bon? Ils t'ont proposé combien? 50 000. Bah, vas-y, je vais te passer 70 000. Tu les laisses tranquille? Vas-y, envoie une position. Attends, ils t'ont demandé quoi exactement? Pour livrer des mecs. C'est ça. 50 000 par tête, genre, en gros? Comment? Faut que je demande à mon trésorier. Ça manque de respect. Franchement, en action quand on me dit qu'il y a 50 000. Ouais, normal. Ok, bah annule. Annule. Bah, j'attends ton fric surtout. Ouais. Vas-y, envoie-moi une position. Ça marche. Tu me douilles, je te nique ta grand-mère. Je te douille pas. C'est bon, vas-y, mon champion. Après, c'est de la merde, 50k, j'ai la haine. On est des petites putes en vrai, ça c'est compréhensible, moi je suis content en vrai. Je suis pas sûr que la refaite elle serait contente de nous voir. Hein. Ouais, bon, ouais, c'est pas, je suis pas sûr. Non, mais vous allez devoir faire la paix avec eux parce qu'ils vont vous baiser sinon. Mais hier on les a baisés en fait. Oui, hier on les a baisés. Vous avez fait quoi? Mais non, c'est pas eux, ils vous ont volé 600 000. Bah si, c'est eux. Bah si, c'est eux. Du coup, on s'est mangé. Le lendemain, on les a niqué leur race en fait. Allo? Ouais, ça va? Ouais, t'es où là? Ça a pas bon moment de les voir. Vas-y, j'arrive. Et vous allez là-bas, vous allez vous excuser? Non, mais non. Attends. Céliane, non, je suis pas d'accord. Tu vas t'excuser, tu vas faire semblant parce que là, maintenant, le problème, c'est que y a des gens que je peux gérer parce que eux, ils s'en battent. Tu vois, par exemple, les autres oranges là, les bikers, eux, ils s'en battent les couilles debout. Ça veut dire, on peut leur dire, ouais, non, vous les attrapez pas. Ils vont dire, ok. Mais sauf que si les vagos, ils ont un intérêt commun avec Caillot, ça va vous baiser. Donc là, vous allez faire les hypocrites. Je vais vous taper devant eux et vous allez vous excuser. Allez, va lui parler, va. Aïe. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Fils de pute, tu niques les relations avec nos amis. Toi aussi. Attendez, ils ont un truc à vous dire. Ils vont vous parler. Écoutez-les. Qu'est-ce qui se passe? De la part d'Orange, on souhaiterait s'excuser et partir sur une relation de pute, simplement. Voilà. S'excuser de quoi? De la mort d'Abel ou de ce qui s'est passé hier? Non, parce que vous avez des choses à vous excuser. Oui, j'entends pas, toi, payé. Là-bas. On a bien payé, 600 000 quand même pour ça, moi. Ta gueule, dis-lui désolé pour ça aussi. Je suis désolé. Donc, je vais sortir mon arme tout de suite, mettre une balle dans la tête et donner 600 000 à toi, poteau. Non, s'il vous plaît, bah, madame. Ah ouais, elle a qu'à faire ça, vu que l'argent, ça remplace un homme. Je suis désolé. On peut s'expliquer. C'est ça que t'es en train de me dire? Absolument pas. Une vie, c'est inestimable, je suis vraiment désolé. Concernant Abel et ce qu'on a fait hier. On vient s'excuser, justement. On veut partir sur une bonne relation. Ouais, et en plus, c'est de leur plagerie qu'ils sont venus s'excuser. Entre frères, oui, de l'Est. Le sang par terre, le pauvre. Ouais. Santos. Hier, tu t'as fait tes grosses couilles. Tu t'as fait tes grosses couilles, tu nous as rafales. Les gars, hier, c'est hier, on était 50-50 là-dessus. Et hier, 50-50 de quoi? T'as cru qu'on était ping-pong ou quoi? Ne parle pas, ne parle pas de mettre les compteurs à zéro, sinon il y a une balle qui va partir dans la tête d'un de toi. Écoutez, on est vraiment. Ne commencez pas à faire les comptes avec moi. Parce que moi, j'ai perdu un hermano. T'en as perdu, toi? Hein? J'ai tué un hermano? Cabron? Alors ne venez pas, nique les comptables. Hein. Ne venez pas me faire les comptables avec moi. Parce que en comptabilité, vous savez quoi? Quand j'étais la petite cabronita de Camilla au barrio, j'étais déjà comptable. Ok? Comment? On s'excuse, on est vraiment désolé. Vous entendez ça? Petite merde, c'est tout ce que je vois. Ouais. Ah mais c'est facile, ouais, c'est facile. Ils vont te faire un cadeau pour se faire pardonner. Ouais, exactement. Ouais. C'est quoi le cadeau? Un enfant? Vous allez m'offrir un enfant? La drogue pour vous montrer qu'on est sympa. De la cam de fou furieux qu'ils vont t'offrir. Ouais, exactement, de la cam qui tue sa mère. Et de la cam mieux que Caio Perico, madame. Oh. Et en plus, peut-être. Moins cher. Oui. Bah non, c'est un cadeau, mais il est con, mais c'est un c'est cadeau. C'est pas un cadeau alors. Non mais excusez-moi, il est vraiment con. Oui, du coup, on va vous offrir ça, ça arrive d'ici peu. Voilà, pour nous. Lève la tête, toi, la main. Pardonner. Oui, madame. Approche-toi. Oui, madame. On est d'accord, Javier. C'est la cible.
C'est la cible. Oui, 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 c'est la cible de Caio Perico. Ils vous ont missionné pour les attraper. Non. Ah, jamais. Ils vous ont pas dit d'attraper les oranges. Non. Pourquoi c'est votre cible? Il a fait quoi lui? T'as vu ce qu'il a fait? On a posé des questions. Qu'est-ce t'as fait Abir encore? On a posé des questions et c'est pour Abel. Hein? De quoi? Hein? Parle plus fort Abir. Tu as pas compris? Ah mais c'est parce que j'ai. Il est timide. Il est intimidé, je crois. Bon, écoutez, c'est super gentil et tout. Mais lui, on dirait Abel lui. Vous. Ah, vraiment pas par contre. Si, on dirait. Bah, Bader, on dirait pas Abel. Ma mère, il parle comme lui, habillé comme lui. La même mentalité, ça se voit. Ah, bouse de ouf. Il a récupéré son t-shirt. En plus, il était déjà là quand il était là. Et vas-y, on fait quoi là? Des trois petites salopes là. Déjà, lui, il va rester avec nous. Non. Écoute, Refet, ils sont venus de leur plein gré. Certes, on les a forcés, mais de leur plein gré, parce qu'ils regrettent. Tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? Eh ben, je vais le forcer. Nous, de les bras bus. Attends, Refet, écoute. On est là en tant que médiateur, et le but, c'est de trouver un terrain d'entente sans qu'il y ait du sang qui coule. Encore plus qu'il y en a eu déjà. Ok. Donc, tout le monde a des familles ici. Vous n'étiez pas monde, là. Voilà. Vous étiez. Écoute-moi bien. Vous n'étiez pas là quand ils ont tué Abel pour trouver un terrain d'entente. Hein, vous faisiez vos petits trucs là. Ben, on aurait pu être là. Tu nous as dit non, viens pas. Et après, tu nous as appelé. Nous, on était déjà nos bails. On était déjà sur des coups. Donc, c'est de ma faute. Non, c'est pas ta faute. Mais c'est ni de la faute, ni de ta faute, ni de la mienne. Entre nous, Abel, est-ce qu'il t'écoutait? Est-ce qu'il était vraiment. C'était un an. Rappelle-toi, il te faisait divaguer, il t'engrainait à être. C'est vrai, il te cassait les couilles en plus, c'est vrai ça. Bah oui. Mais y'a pas, c'était un hermano du barrio. Dans ton dos. Un hermano du barrio qui respectait pas la réfète. Qui respectait pas la réfète et qui parlait dans son dos. Je suis la seule décisionnaire. Si un hermano doit périr, c'est sous cette arma. Bon, tu restes avec moi. Ouais, mais vous. J'accepte vos décisions. Ok, mais tu vas pas le tuer par contre. Je vais voir. Vas-y, c'est bon. Il est où là, celui qui envoie la. Ok. Ils ont pas la pause là? Toujours pas? Non. Mon numéro. Ah, c'est bon, c'était le grandé qui m'a appelé, il savait pas trop, il bégayait un peu trop là. Qui? Le grandé là, de Caillou. Il m'a dit vas-y, on vous envoie une autre pause. Ok, t'aimes bien comment je suis habillé, Refet? Laisse-moi regarder. Un truc hein? C'est vrai qu'il y a un flow. T'as vu? Toi par contre, j'aime pas trop comment t'es habillé aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas, on dirait. C'est les chaussures. On dirait un peu une bouffonne. Ah. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est comme ça que me l'a vendu la vendeuse. Elle m'a dit c'est une tenue de bouffonne. On dirait que tu vas faire du skate là après. J'ai accroché direct. Bon, moi je pense qu'ils vont pas vous envoyer la pause. Je vous dis la vérité. Après. Okay. Parce que c'est des petites chiennes. Est-ce qu'il t'a dit au bout d'un moment, ouais, t'es kidnappé là ou quoi? Non, pas du tout. Okay. Je lui ai fait croire que je me suis fait corser par les poyos. Ok. Parce qu'ils sont super méchants. Ils m'ont dit t'es où? J'ai dit au barrio. Mais venez, on sait jamais s'ils passent devant le barrio. Venez, on rentre à l'intérieur. Jamais avec eux. Avec un gilet par là. Il y a la pause. On a reçu la position. Non, mais il est plus là aussi. Let's go! Attendez, mettez la pause à tout le monde. Vas-y, vraiment. Let's go. Attends, viens nous mettre la pause, mets-nous la pause, comme ça on sait déjà, s'il te plaît. Ah, mais le mieux, c'est que vous intégrez dans nos coachs, au moins ils voient que du feu. Ouais, mais ils ont pas dit que vous veniez à deux, quoi qu'il arrive. Je l'ai dit, moi je ramène tout le monde, j'ai dit. Tiens, Amir. Vas-y. Ton arme, j'ai dit. C'est fois, bon frère. Vas-y, c'est bon. Et laissez-moi monter avec Derba, Quoi, nous, du coup, s'il vous plaît. Derrière, c'est quoi ton arme déjà? Salazar. Derrière, descends, s'il te plaît. Va dans le coffre, James. Va dans le coffre, James. Ok, je vais dans le coffre. T'es un bon, merci mon frère. Salazar. Il est arrivé quand lui? Genre une casquette? Tu as ta buffalo, Javier? Si, mais elle est pas modifiée là, plus la merde, elle est horrible. Vas-y, viens, il y a un néon. Il y a un néon et tout. C'est vas-y, dépêchez-vous, ils vont encore dire ouais. Ah, on descend, on braque direct, hein. Bref, on voit en fonction du bail. Ok, eh ben attends, je vais appeler les Aztecas, ça t'en bouge pas. Attendez, dis-leur. Ouais, allô, t'es où? T'es avec tes collègues? Vas-y, dépêchez-vous, mettez-vous dans votre barrio maintenant. On arrive vous chercher là. C'est nous, venez. Appelez, réunissez tout le monde, il faut bouger très vite, là. Ah, mais très vite, ça veut dire dans moins d'une minute là. Envoie-moi une pause. Vas-y, envoie-moi une pause. Mais non. Parce qu'ils arrivent là. Ils arrivent tous. Vas-y. C'est vers où là? Ouais, au pire là-bas. On c'est dans le nord en fait, c'est pour ça. Hein. Vas-y, cache comme ils arrivent, on prend la route. Attendez, laissez-les monter dans la voiture comme ça ils voient la pause. Vous voyez le rocher qui donne dans le vide côté base militaire? Où il y a la rivière, c'est là. C'est bon, t'as vu? S'il faut gagner du temps, nous on arrive, les vagos descendent, on parle que entre vagos avec eux, comme si de c'est bon, tu vois. Ça va, j'ai vu. Et vous arrivez après, hein. Dans combien de temps ils sont là? Là, dans 2 minutes. Putain, dépêchez-vous. Histoire qu'on s'arme, mais on arrive. Vas-y. Dépêchez-vous. Vamos. Viens voir. Señora, señores. Ici, c'est un cul-de-sac. Hein. Appelle Mayas, tout ça. Ouais, je l'aurais dit. Ça y est, je l'aurais dit. T'es fini là. Oui, c'est bon. Là, on les baise. Ouais. C'est qui les deux autres personnes derrière? T'es nouveau. Ils sont masqués. Ils sont arrivés ce soir. Pourquoi pas?
Tout le monde est masqué, pourquoi? Ah non, il n'y a pas tout le monde qui est masqué, seigneur, regardez devant vous. Et lui, mi amigo, il est masqué aussi. Hein. Ce ne sont que des habitants et ils préfèrent garder leur on a peur. Anonymat. Correcto. Vous voulez voir, señores? Je pensais pas qu'on se verrait. Pourquoi autant d'agitation là? On s'est fait courser par les poyos. On n'a pas voulu ramener les poyos. Parfait, on est là. Du coup, comme prévu, il est arrivé là. On a la plata, on a tout ce qu'il faut. Les habitants, ils enlèvent leur masque. Pourquoi? Non. Le temps que t'as mon visage, c'est à de mon chef. Là, démasqué. Écoute, mes hommes sont là démasqués devant toi, aucun problème. Tu vois là dans la cabeça de mes hommes. Ville, je suis dans ta rue, je m'en bats. C'est pas une raison pour que les vas-y, les petits, montez dans les côtiers. Non, mais c'est bon, on va se démasquer, hermano, c'est bon, mais attends. Vas-y, parle. Juste moi, je suis timide, j'aime pas. T'es sûr que il le fait? Mais il est dans les côtiers, tu veux vraiment qu'ils vont dans les côtiers, c'est ça? Ils font aussi peur, mes habitantes, c'est ça? Je t'en prie, là. Aïe. C'est pas une question de peur, seigneur. C'est hier que tu es venu tout seul. Tu nous as appelé pour qu'on vienne faire un business avec toi. Si, tu nous as bien. Critiqué et ta chef. T'as critiqué. Recule un peu, ils arrivent. Lui, là, c'est lui qui va aller voir en premier. Faut qu'on l'attrape, lui. Ouais. Avec son secondo. Oui, quand même, exactement. C'est le monde à l'envers, seigneur. C'est le monde à l'envers. Je t'ai dit que mon secondo était parti. C'est bon, j'ai enlevé mon masque. Au groupe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler tranquillement. Oh là là. Et on va lever les manos tranquillement. Les clémentines. Tout va bien. Il y a personne qui va lever les mains. Allez, salut. Tout va bien. Bienvenue à Los Santos. C'est comme ça que sont les gringos de merde. Comme vous l'avez si bien dit, on était beaucoup trop peu, les vagos. Bienvenue à Los Santos. Il vous fallait beaucoup plus de personnes pour un tel accueil. Bon, on se braque ou on discute? Vous pouvez baisser vos armes ou on baisse les nôtres? Vamos. Arrêtez de braquer. Allez, vas-y, mettez-les dans vos voitures. Mettez vos armes dans vos voitures. On les garde sous le monde range ses armes. Non. Vous aussi, seigneur. C'est soit. Bon, regarde. Soit. Qui c'est qui a dit non? Qui c'est qui a dit non? On les range pas. Parce que sinon, je peux passer à la deuxième vitesse. Et soit tu les ranges, soit on vous abat tous d'un coup. Tu préfères quoi? Tranquille. Dis-moi, je préfère quoi? Voilà. Non, cagatez la boca, on va discuter. Voilà. Je vous ai dit quoi? Il est où le préfet là? C'est lequel? Je suis là. Voilà. Je t'ai dit quoi au téléphone hier? J'ai entendu. Répète ce que je t'ai dit au téléphone. Que si je voulais faire mon bien. Seigneur, attendez. Non, nous on va garder nos armes. Toi, allez avec tes copains. Va avec tes copains. Avec tes copains, range ton AK. Voilà. Range ton AK. C'est qui? C'est Felipe? Range tête de petite pute. Los Santos, c'est donc ça. Vive Los Santos, on vous baisse, bande de petites mères. Ferme ta gueule, toi. Va ranger ton arme dans le coffre et va avec les range ton arme. Est-ce que je peux parler à une personne? Oui, on va parler ensemble, mais là pour l'instant, j'aime pas comment c'est en train de tourner, donc on va redescendre, ok? Vous allez redescendre. De notre côté, personne n'a des. Tu vas m'écouter, il y a pas. Maintenant, moi, je suis pas le réfet de la réfète, je suis pas le réfet des Mayans, je suis pas le réfet des Aztecas, il y a pas de ça. Moi, je t'ai dit, on est Los Santos, ok? Bon, je t'ai dit quoi hier au téléphone? Allez, réitère mes propos pour être sûr que t'as bien compris, que ça soit pas juste. Que tu sois pas juste un mec fou. Ouais, s'il te plaît. Hier, je pouvais continuer à faire mon business. Ouais, mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit. Il y a un truc. Avec mes associés. Et par rapport à lui, je t'ai dit quoi? Par rapport au Orange. James. Ouais. Ouais, tu m'as dit que. Je t'ai dit quoi? Depuis le toucher. Ok, pourquoi tu vas avoir des il gens pour. Il a été touché aujourd'hui. Il a été touché. Non, mais il y a encore des gens qui sont missionnés pour aller. Pourquoi tu t'as pas rappelé ces gens-là pour leur dire annuler la mission? Quelle personne est encore missionnée? Les Vagos est encore missionné? Les bikers orange étaient encore missionnés puisqu'ils étaient en train de le chercher cet après-midi là. C'est faux. C'est faux. Ni contacté. Je les appelle. Tu veux que je les regarde. On fait un truc. Non. À partir du moment où tu manges, tu parles pas avec moi. Est-ce que je les appelle? Si maintenant ils confirment ce que je dis, je te mets une balle dans la crâne. Est-ce qu'on a missionné les bikers? Non. Bon. Aïe. La fin du cartel de Cayo Perico, déjà. Ça allait vite, hein. J'suis dans la crâne, j'suis trop deg. Je vous ai prévenu, hein. J'suis gentil avec vous, je vous préviens une fois, deux fois, trois fois. Allô, Cucus. Allô. Ouais, mon téléphone il s'est transformé en Wico, là. Ah, ça va, tout va bien? Ça va, j'attends tes nouvelles. Dis-moi, les Caillou, là, c'est quand qu'ils t'ont demandé pour attraper James? C'est lui, là. 22h30. Aujourd'hui, là? Ouais, tu veux pas aller baiser ta mère, toi, y'a pas de réfé. Ils t'ont demandé où? C'est où qu'ils sont venus? Ils sont venus aller, ils t'ont demandé? Si moi, Reyes Mendoza, je l'ai appelé. D'accord, c'est quoi? C'est lequel qui t'a demandé? Demande-lui. Je pourrais pas te dire, c'est mon trésorier qui a eu l'appel. Vas-y, demande à ton trésorier, tu m'envoies un texto, ok?
ça marche. Vas-y, merci mon champion. Non, 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 c'est pas qu'on a ramené tout Los Santos, je me permets de corriger, hein. On n'a pas ramené tout Los Santos. C'est tout Los Santos qui est venu. Nous, on a ramené personne. Ils ont eu la perche de savoir qu'ils allaient pouvoir baiser des fils de pute de Caio Perico qui veulent baiser les gens de Los Santos. Ils sont venus en courant. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de mal à Los Santos. Vous avez fait beaucoup de mal. Vous êtes la concurrence et on a beau vous prévenir, vous continuez à pas respecter, à faire les grosses couilles. Vous n'êtes pas Caio Perico ici. Hier au téléphone. La concurrence de moi. D'accord. La concurrence de moi et de eux. Céliane, on est d'accord que hier au téléphone, qu'on s'est quitté. À ce que je sache, la guerre entre guillemets entre nous et vous, c'était une guerre économique. Donc tu m'as dit que je pouvais continuer à prendre contact avec mes clients. Essayez de dévier le sujet. Je t'ai dit quoi hier? Je vous ai dit, si jamais il y en a un de vous qui tente de près ou de loin de s'en prendre à James, je lui baisse sa mère. Est-ce que je te l'ai dit ou est-ce que je suis un menteur? Oui, est-ce qu'on s'en est pris à James? Je vais voir, Marcus, il va me rappeler et il va me dire c'est lequel de tes potes qui a contacté les bikers pour qu'ils attrapent James. C'est moi. C'est toi, voilà. Voilà, c'est simple. Non, parce que tes gars sont confiables, des informations bourbiers comme ça. La seule question que je vais poser, je vais dire, est-ce que tu connais un James Brown? Et il m'a dit que ces gars connaissaient, est-ce qu'ils voulaient que... on leur demande de l'attraper. Felipe, t'es un bon, hein. T'es un de mes préférés du cartel. Mais continue à mentir sur ma mère, je vais te mettre une balle dans le crâne. Mais te mentir, quand est-ce que je te mens? Je te le dis, parce qu'il m'a exactement dit combien vous voulez payer et qui vous vouliez. Donc arrête de mentir, s'il te plaît. Et je vais même te dire plus loin. Combien le prix les 50 000 par tête. 50 000 ou 40 000 par tête. Incroyable. On n'a jamais proposé de prix, Seigneur, déjà. Cette information est fausse. Cette information est grave, complètement fausse, Seigneur. Ils ont proposé un plus gros truc. Un truc, bref, des papiers, je sais pas quoi, là. Des papiers? Nous, on a les gars, mettez-vous d'accord. Ça, c'est votre faute, hein. C'est vous, vous l'avez dit. C'est vous qui nous balancez des informations. Je vais poser une question. Je vais poser juste une question. Est-ce que tu connais un James Brown? Il m'a dit non, il m'a envoyé un message 5 minutes après en me disant que ces gars le connaissaient. C'est tout. C'est bon, Pélo. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on l'attrape? J'ai dit non. Fin de l'histoire. Ouais, maintenant, si t'as envie de le croire, lui, Céliane. Laisse un peu ouvert. Écoute, Céliane, on va pas tergiverser longtemps. Regarde, c'est quoi? Tu te rappelles quand on était à Caillou, Felipe? Je sais pas si t'étais là quand la première fois que j'ai parlé avec ton préfet. Si. Il y en avait un, c'était quoi l'histoire d'Herba? Il y en avait un, il mentait même. Et il disait, ouais, moi je préfère croire les mecs de Caillou. Ouais, il y a du monde, ouais. Ah bah c'est. Ouais, c'est tu t'en rappelles? Et là, bien sûr, je préfère croire eux que vous. Évidemment. Non, mais je comprends. Maintenant, moi je t'ai dit la vérité. Si t'as envie de le croire, lui, libre à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est entre tes mains maintenant, Céliane. Je t'ai dit la vérité. Fais-en ce que tu veux. Moi, je vais te dire, je vais rajouter. T'as vu, hier, on s'est quitté au téléphone. Ton James, tu m'as dit que c'était un de tes hommes. À partir de là, je n'ai aucun intérêt à le toucher. Je m'en bats les couilles. Si tu veux tout savoir. Alors pourquoi Felipe était pas briefé et pourquoi Felipe il continue à chercher des informations sur lui? Felipe a demandé une information. Pourquoi Felipe? Ton nom n'a pas été touché. Hein? Je me suis renseigné. À propos de quoi, Felipe, tu veux te renseigner? À propos de ce qui s'est passé, tu sais très bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Felipe? Il a livré des hommes de la DSF. Il a livré les hommes de la DSF. Ouais, et ça s'arrête là. Et vous allez rien faire. Ok. Parce que vous n'êtes pas à Caio Perico. Ouais. Et la prochaine fois qu'il y en a un de vous qui cherche des infos sur un des groupes qui est ici, là, qui est derrière moi, on va vous attraper encore une fois, on va vous baiser. Felipe. Et t'as pas envie que je baisse ton réfé à cause de toi, Felipe? Non. T'as pas envie que les Vagos ils baissent ton réfé à cause de toi? Ou les Mayans ou les Aztecas? Non. Ou même les Balas ou les Familiz ou un peu tout le monde? Ou même, même les Bastards? Ok? Tu t'égares, Céliane, tu t'égares. Non, y'a pas de ça. Moi, y'a des gens, ils m'ont fait confiance. Moi, je vais assurer leurs arrières. C'est tout, réfé. T'étais peut-être pas là, t'étais en vacances, t'étais en train de te branler les couilles. Nous, on était là sur le terrain. Américo, c'est, je pensais, pas mal. Des petites vacances. Mais écoute, tant mieux. Là, à l'heure actuelle, on est là. À l'instant T, aujourd'hui. Ton homme, il n'a pas été touché. Je ne sais pas pourquoi reparler de ça. Tu vois. Alors que hier, tu m'as dit que tu ne voulais pas que ton homme soit touché. C'était quand ils t'ont bordé hier? De quoi? Hier, c'était quand qu'ils t'ont bordé? Hier, ils m'ont dit clairement qu'ils n'étaient pas en très bonnes ententes avec les oranges. Ouais. Et voilà. Et après, ils m'ont dit si je connaissais un James Brown. C'est ça qui l'a sauvé. Ok, perfecto. Mais on est là pour régler des problèmes ou pour la plata? Là, je comprends plus.
Concrètement. Moi, ce que je sais, c'est qu'hier, les vagos sont venus nous voir, ils nous ont demandé de travailler avec nous, et aujourd'hui, bah, c'est tout le contraire. C'est tout. Comme d'habitude, ça, et c'est ça, pas... on en avait déjà parlé, non, avec le seigneur Brabus. Si. Quand tu es venu à Cayo Perico, que si les gens venaient nous voir, qu'on ne se permettrait pas de refuser, car c'était des clients potentiels. Non, mais je... Bien compris, non, je t'ai fait une réflexion par rapport à ça. J'ai fait une réflexion à Vagos par rapport à ça. Non, mais justement, okay, là, on est venu pour faire quoi? Si vous avez ramené James, vous auriez fait quoi? Allez, sois honnête. Comment je t'appelle, toi? Gabriel Prieto. Gabriel, s'ils avaient ramené James, t'aurais fait quoi? Dis la vérité, Gabriel. T'es un bon, franchement, t'es pour t'es le pas momento, nada. Je n'ai pas d'informations sur ce seigneur. Moi, je suis venu récupérer de la plata. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mais c'est ça votre problème. Je suis vous à rentrez dans les histoires des autres, après vous vous plaignez que toute qui la merde vous retombe dessus. Qui rentre dans les histoires des autres, seigneur? Bah vous, regarde, vous les James pour la DSF. Là, y a qui, là, en face de nous, là? Le cartel, y a qui? Il y a des paysans derrière, cartel, voilà. Seigneur. C'est vous qui avez créé toute non, cette merde, qui a créé ce délire où au final vous retrouvez face à plusieurs personnes. À l'heure actuelle, votre James... M'en bats les couilles, bah! Je m'en bats les couilles, je te baise, toi. Je te baise, moi. Je t'encule, moi. Baisse-moi, y'a pas de problème. Je t'encule, moi. C'est bien. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est quand je partais à Cayo pour boire un petit verre, je me faisais niquer par les indigènes, les serveurs, la milice, cartel, paysan, tous et en même temps. Voilà ce que... Voilà le résultat de ce caca. Eh ben là vous faites niquer par les Aztecas, les Mayans et les Brabus. Vous présentez que je et les vous présentez mes excuses auprès de Cayo Perico, ouais, excuse-moi. Bader, ouais, no problem. Bader, sachez que par rapport à, regarde pas, toi, à tous ces tacles de tourisme, etc., on sait que parfois certains manquements ont été causés aussi de notre part et on s'excuse pour les touristes. Sachez que Cayo Perico reste ouvert et que de nouveaux guides touristiques seront vous accueillir avec du respect à partir du moment où vous nous l'accordez, non? Ouais, super. Bah, ça, c'était une décision sage à prendre. Mais bon, c'est pas trop tard, mais elle arrive non un problème, peu tard. Je comprends un peu les frustrations, mais vous êtes assez grand. Non, regarde, le James, il est là. Il est tout mineur. Je sais plus si je l'ai ban. Est-ce que hier je l'ai ban? Je lui ai dit, tu reviens plus à LS. Il y a un fils de pute de la DSF, là, de la sécurité. Je sais plus si je l'ai ban hier. Il sécurise Cayo. Pourquoi il vient à Los Santos, dans son quartier à James, le menacer, faire l'ancien avec lui? Pourquoi? Seigneur, ça, c'est des pourquoi questions que vous devez... Zarafa. Eh ben, pourquoi vous voulez l'attraper alors? Vous vous demandez. Et on n'est pas là pour ça, seigneur. Ouais, mais. On n'est pas là pour ça. C'est... En fait, j'essaye de vous faire comprendre. Tout ça, quoi. En fait, bah, toi, donne-moi ton cigare, toi. Donne-moi ton cigare. Donne. Je te le parterai. Tiens. Vas-y, parle, dis-moi. Comme je vous l'ai dit lorsque vous êtes venu sur Cayo Perico, moi, quand je vais à Los Santos et que je me fais arrêter par la police, je ne vais pas me plaindre à vous. Donc, quand vous allez sur Cayo Perico et que vous vous faites enculer par la DSF ou par la milice ou que vous vous embrouillez avec des indigènes, c'est pas de notre ressort. Nous, ben oui. C'est le business. Eh ben alors, quand on s'embrouille avec les indigènes, pourquoi le cartel il se mêle? Quand on s'embrouille avec la DSF, pourquoi le cartel il se mêle? Moi, j'ai une question à vous. Quand on s'embrouille avec la milice, pourquoi le cartel il se mêle? Pourquoi? Okay, alors, j'ai une question à vous. Pourquoi? Pourquoi? Attends. Pourquoi? Par rapport à James, c'est autre chose. Pourquoi? Moi qui l'ai mêlé la DSF. Pourquoi? Côté, c'est que. Pourquoi? Réponds à la question! Réponds à la question! Réponds! Pourquoi? Pourquoi quand on s'embrouille avec les indigènes? C'est une pute, pourquoi? Oui, ça, premièrement, mais pourquoi? Pourquoi quand on s'embrouille avec les indigènes, le cartel, la DSF, la milice, ils s'en mêlent? Quand on s'embrouille avec la DSF, la milice, le cartel, les indigènes, ils s'en mêlent et vice versa, et nous, quand tu nous viens ici, tu nous dis, faut pas faire ça! Faut savoir! Vas-y, permets-toi, Gabriela! Gabriel, pour favor, seigneur. Vas-y. Par rapport aux indigènes, ce sont des êtres, et je ne sais pas si vous pouvez comprendre ici, qui sont un peu nos ancêtres que nous respectons fortement. Ils n'ont pas forcément que ce soit la diplomatie ou les façons de pouvoir répondre à vous, donc c'est vrai que parfois, quand ils sont attaqués, et c'est déjà arrivé auparavant, c'est pour ça que notre pays était attaqué. On tu réponds au cas par cas, alors que ce que je veux, moi, c'est une réponse qui englobe tout. Parce que c'est pas que pour les indigènes, quand on s'embrouille avec le cartel, la DSF, il se mêle. La milice, il se mêle. Quand on s'embrouille avec la DSF, le cartel, il se mêle. La milice, il se mêle. Ça va dans tous les sens. Alors, dans ce cas-là, señores... Et nous, James, c'est notre petite pute à nous. Vous allez pas la toucher. Muy bien. Je l'ai compris, Céline. Tu m'as répété 15 fois, quand même. Non, mais vous ne comprenez pas. Hier, au téléphone, je t'ai dit, reviens à Los Santos, je te baisse ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens à Los Santos. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que là, tous les gens là qui sont là, ils me prennent pour un fils de pute. Ils vont se dire, mais c'est bon, c'est Liane, on peut lui baiser sa drogue, puisqu'au final, quand on va le baiser, il va rien faire. Il va nous crier ça, dessus. Tu m'as pas dit que ça au téléphone. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi au téléphone? Tu m'as dit que je pouvais continuer mes affaires avec mes clients. Je t'ai dit, tu reviens à Los Santos, je te baisse ta mère. Est-ce que je te l'ai dit ou pas? Est-ce que je te l'ai dit?
Eh, je mens pas, hein. J'ai plein de défauts, je mens pas. Ça veut dire là maintenant, je t'ai dit, maintenant t'es en face de moi, quoi, je te baisse pas ta mère. Eux ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais en fait, c'est une pute, il fait rien. Dans ce cas-là, t'aurais dû t'arrêter. Ah, tu viens à Los Santos, je te baisse ta mère. Tu as dû rajouter, par contre, si tu veux faire ton business avec tes clientés, tu fais ce que t'as à faire. Tu vois? Tu fais ton business par téléphone, t'appelles les gens, tu leur dis, venez à Caio Perico. Tu viens pas ici. Oui, bien, d'accord, ok. Quoi, d'accord, mais maintenant on est là, maintenant t'es venu, je fais quoi? J'en bute combien de tes gars pour que tu comprennes? Une amende. Tu penses devoir en arriver là? Ouais, je pense devoir en arriver là, ouais. J'hésite entre 5 ou 6 là, je sais pas encore combien je vais en buter. Bader, tu penses combien? Là, je suis en train de manger un sandwich. Déjà, Gabriel, c'est un bon. Toi, t'es épargné, mon frère. Ensuite, celui avec les cheveux longs derrière là-bas aussi, il est épargné. Felipe, toi, nique ta mère, toi, t'es le premier, toi. S'il y a quelque chose, t'es le premier, fils de pute. Et celui avec la moustache, tout là-bas. Mais moi, je pense qu'il y a mieux à faire. Et voilà, il va encore faire le bon, Bader. Encore, Bader, il va encore vous sauver la vie. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, Bader? Les jeter par la falaise. Je pense que ce serait pas une bonne idée, Seigneur. Je pense que... T'as vu, tu me chauffes, Céline, j'ai un cœur, mais après, tu me... Seigneur, je vais me permettre d'intervenir. Ouais. Comme vous venez tous comme ça pour nous montrer, pour montrer du coup à ces autres personnes que du coup ce sont vos putes et que vous faites ce qu'il faut pour pouvoir assurer leurs arrières. Non, non, ah, attends, qui est mes putes? Ah bah, je sais pas, j'ai entendu James, c'est ma pute à moi. C'est ouais. La tienne, non? Ouais, 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 c'est ça. Perfect. C'est notre pute à nous, on est d'accord, hein? Non problème. Ok, c'est vrai, s'il attend une réponse de vous, je crois, non? Ouais, effectivement, ouais, ouais, c'est ça, ça, c'est bien okay, ça. Ok, ok, ouais, ouais. Non problème. Quand vous venez ici, que nous on cherche la plata, vous venez ici, vous essayez de nous montrer quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de réponse? Sur quoi? Qu'on puisse régler les problèmes, nous sommes venus faire de la plata. Qu'est-ce qui baragouine, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Je te l'explique. Tu viens devant nous, non? Ouais. Gabriel, tu veux quoi? Repars que tu veux des pommes de terre, mon frère. Ah, ça c'est pas mon travail, Seigneur. Ah, c'est quoi? T'es pas paysan? Non. T'es quoi, toi? T'es dans le cartel? Non plus, Seigneur. Quoi? T'es quoi? Oh, un pericogno. Arrêtez de vous agiter derrière, je vais m'énerver. Fils de paysan, pero. Les deux là, les deux là, venez, mais rapprochez-vous. Okay, okay, rapproche-toi, ouais. Polo Noir, rapproche-toi. C'est de comprendre, Gabin. Toi, la vie ici à côté de la France, tu fais des messes basses. Si, bien sûr. Du coup, est-ce que vous avez des questions précises à laquelle... Il y a pas de questions, il y a pas de questions, je suis frustré parce que j'ai prévenu, j'en suis à la troisième fois là. Trois fois, je préviens, je dis vous revenez jouer avec ma bite. Je vous baisse vos mères. Et là maintenant vous êtes en face de moi et je vais vous baiser vos mères et après je vais culpabiliser. C'est ça qui m'énerve en fait. Écoute, la finalité c'est quoi? Est-ce que tes clients ont été touchés? Mais je vais l'enculer, il comprend pas. Je comprends vraiment pas, je suis trop d'accord avec toi. J'en peux plus. Mais j'en peux plus. Mais je te parle pas de drogue, je te parle pas de drogue là. Tu fais l'ancien. Pas de me dire que vous allez baiser, je comprends pas. Je te parle pas de drogue, je t'ai dit hier. Là, t'as voulu t'en prendre un de mes hommes, reviens à Los Santos, je te baisse ta mère. Ton homme, on l'a pas touché. Il a failli se faire toucher, mon homme. Ça veut dire, maintenant, comment on fait? C'était hier, avant que tu m'appelles. Il y a aucun groupe qui a été prévenu qu'il fallait annuler la mission sur James, oui ou non? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a appelé les groupes pour leur dire ne touchez pas à James? Il y avait un seul groupe. Non, arrête de m'en. Arrête. Bader, sur ma mère. Sur ma mère, je vais le tuer, Bader. Là, vraiment, il est en train de me rendre fou. Mais non, s'il te plaît, Bader, rentre pas dans ça. je rigole, ouais. Mais... Non, parce que là, c'est trop, là, il me prend pour un fils de pute. Sa gueule pour... Non, mais là, écoute. Faut. En fait, comment dire, la balle est dans votre camp. C'est à vous de rattraper les choses et de faire en sorte de rattraper toute cette merde. Parce que vous pouvez pas faire la misère aux gens qui viennent à Caio avec tous vos compatriotes, là, tous vos. Bref, toutes vous mélangez tout. Mais on mélange pas, c'est réel, c'est ce qui s'est passé. Bien décidé à tout mélanger, à mélanger tout Caio dans le même sac. Mais attends, Bader, à chaque fois que tu te retrouvais dans la merde à Caio Perico, c'est qui? Je fais quoi, Ezekiel? Je unique sa grand-mère? C'est qui que vous appelez? Ezekiel. Ça finissait toujours, on était à genoux face à cartel, indigène, milice, paysan et serveur. Ouais, mais qui c'est? Personne nous a sauvés. Arrête. Personne nous a sauvés. Personne. Bah oui. La preuve à la fois ça a fini que même les paysans nous ont proposé du taf. Vas-y, petite réunion avec les réfés là vite fait là. On a plus rien à se dire. Non, on n'a pas plus rien à se dire, attends toi.
Désolé, moi j'ai mes chips. Ouais, ouais, je fais quoi? C'est eux qui ont parlé à Arménio. Mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu fous pas ta gueule? De quoi? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu lui coupes pas la parole, gentiment? J'ai un problème de gorge. Non, non, t'entends très bien. Oui, maintenant. Mais oui, maintenant, oui. J'ai appelé mon créateur, mon frère, parce que moi, t'as vu. Mais là, c'est des mensonges, là. Hein. Eh, vas-y, va le voir, dis-lui. Après, je fais quoi? C'est qui qu'on doit buter? Je sais pas, en fait, ça fait trois fois, je leur dis, les mecs de Caillou, qu'ils arrêtent de faire les grosses couilles, et que je fais que les menacer tout le temps, je les menage. Laisse-moi buter un, s'il te plaît, pour que j'ai un palmarès. J'ai pas de palmarès pour le moment. Je sais pas, c'est le bon truc d'en buter, en fait. J'ai envie, hein. Franchement, j'ai envie, hein. Bah, ce serait la guerre. Genre la vraie guerre. Oh là là. Ils vont où là? Je dis pas que c'est. Faites attention. Je sais pas, ils vont parler entre eux, mais ils vont les surveiller. Qui panique? On fait quoi, Derba? La répète là, elle a dit, il ment, hein. Il ment sur quoi? Ah, il les a vraiment missionnés? Ouais, bah oui, bah pour moi, ils viennent plus, mais bon, ils comprennent pas. Ils viennent plus, et s'ils veulent revenir, c'est à eux de rattraper la situation. C'est tout. Attends, c'est sur quoi qu'il a menti exactement, Réfette? Ouais, c'est bon, on entend. Oh mon dieu. Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, on t'entend. Fais pas attention à ton truc, parle normalement, t'inquiète, on t'entend. Ah, ok. Oh, la surprise. Je disais, ils ont menti sur le fait que ce soit nous qui les avions contactés alors que c'est eux. Et sur le fait de James, hein. Vas-y, allez, viens, tu vas leur dire, Réfette. Ok. Ça veut dire que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Oh, le gars! Reculez un peu, les gangsters, s'il vous plaît, les gars. Vite fait. Oh là là, Camille. On a une intervenante surprise. Oui, alors. J'ai entendu parler loyauté, mensonge, etc., etc. Sauf que vous avez oublié de préciser quelques petits points. Voilà, va avec tes copains. Prends, c'est qui lui? Vous avez contacté Arminio. Et vous lui avez expressément demandé pour James. Donc. C'est Arminio qui a souhaité nous voir. Donc, ce qui a sauvé. Attends. Ce qui a sauvé James, ce n'est pas vous ni votre bois. C'est bien. Attends. C'est notre loyauté qui a sauvé James. Loyauté de quoi? Ouais. Envers qui? Je comprends pas. Alors, je me rappelle si d'un, je peux, d'un Seigneur, petit. Si je peux peut-être parler un petit peu pour rejoindre ce que vous dites. C'est votre hermano, du coup, qui nous a contacté pour venir à un rendez-vous. Ah non, vraiment pas. Non. Discuter. Non, vraiment pas. C'est ton gars, il m'a dit, ouais, je vais te présenter des gars, ils veulent te voir, ils veulent te proposer des trucs. On l'a jamais demandé à voir les bagos, Seigneur. Moi, j'ai jamais demandé à voir le. Moi, de même. Comme vous le savez. Je sais pas. Ton gars. Comment je peux te contacter, Jimmy, comment je peux te contacter? Mais je suis plus aussi méchant qu'avant, les frères. Maintenant, j'ai du cœur. Mais c'est vous travaillez avec. C'est qui, mon votre gars? C'est pas parce que quelqu'un nous dit qu'il y a un vagos qui va nous voir qui travaille forcément avec nous, Seigneur. Pourtant, les vagos sont arrivés. Vous aviez l'air d'être plutôt sûr et certain que vous ne voulez pas travailler avec les vagos. Un appel des vagos et vous voulez travailler avec nous? Non. Les jefes en question de chez nous, ils ont discuté, ils ont dit. Pourtant, le rendez-vous et le point où nous sommes aujourd'hui rend caduc ce que vous venez de me dire. Exactement. On est clairement là pour du business. Seigneur, vous débitez un nombre de mots incompréhensibles, je ne vais pas vous mentir. Ah, c'est très clair ce qu'elle dit. C'est très clair ce qu'elle dit. C'est très clair, si. Mais le problème, c'est que je crois que votre ami, votre hermano, il ne vous a pas tout dit. C'est juste ça le problème. Oh, le problème, c'est que le chef du cartel, il tape dans la coque. Mais le peu que vous aviez dit, vous, c'est des mensonges, tu vois. Lui, il ne m'a peut-être pas tout dit, mais vous, le peu que vous aviez dit, c'est n'importe quoi. Seigneur, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je n'ai rien à vous cacher. Eh, viens, regarde, on les interdit, parce que là, ça va durer trop longtemps. Oh, mais je vais en tuer un, quand même. Vas-y, bah, tue pas celui aux cheveux longs. Et celui. Dis-moi, je suis lequel. Je crois que c'est celui avec la moustache, le fils de pute. Avec le polo bleu, là? Non, le. Je sais pas, tue n'importe. Juste pas cheveux longs. Ouais. Et pas. Attends, Felipe, non qui était... Ouais, pas les chefs non plus, ça logique. Et pas celui avec les chemises noires. Ok. Attends, viens. Et en gros, viens, on leur met une amende de gueudin. Genre, on les fait ramener grave de la marchandise, on la donne gratuitement aux Aztecas. Ouais, tous ceux qui nous ont aidé là. Voilà, comme ça, déjà de 1, on est plus vite. Enfin, on est plus redevable. En gros, on les mouille avec nous à 200% parce que okay. Ça veut dire que là, le cartel, ils vont vouloir récupérer leur cam, ça va les faire s'embrouiller avec eux. Bref, ça va partir en couille. Et nous, on les baise. Vas-y. On marque le coup, tu vois, au lieu d'en. Okay. En vrai, tu peux faire que ça au lieu d'en tuer. Donc maintenant, tu vas pas le tuer, toi?
Je mélange tout. Tu veux pas tuer toi? Mais maintenant, je vais vous poser une seule question. Et je vais être, je vais essayer d'utiliser des mots que vous puissiez comprendre, tu vois, des mots pas trop... Si, 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 claro. Donc, vous ne jamais avoir demandé à mon hermano, à moi, de attraper James. Jamais. Non, on lui a dit, si, on lui a dit, un bonus pour la confiance. S'ils attrapent des oranges, un certain James Brooke de préférence, ce serait bien. Mais on ne lui a pas dit pourquoi, ni comment. Pour quelqu'un qui ne comprend pas les mots, vous jouez beaucoup avec. Parce que c'est clairement c'est pas joué, seigneur, la je demande vous dis la que vous lui avez faite, du coup. Et bref, tu le voulais pour faire quoi, Luc? Tu le voulais pour faire quoi? Tu le voulais pour faire quoi? Et si je peux me permettre... C'est une histoire avec les réfets, c'est pas moi. Mais dis-ni... Si, c'était après, aussi. Bon, recule un peu les gangsters, recule un petit peu. Bon. Allez. Attends, vous allez faire une belle ligne parce que là, je sais pas encore comment ça va finir cette histoire. Mettez-vous en ligne, le cartel, mettez-vous en ligne. On va faire comme chez vous, vous savez faire de toute façon. Allez, mettez-vous en ligne. Toi aussi, chemise bleue. Dis-nous concrètement ce que tu veux. Ta gueule. Vous voulez pas comprendre? En fait, vous voulez pas comprendre. Et c'est ça. Non, seigneur, c'est celui à mes padres, seigneur. Si ça vous dérange pas. Donne-lui ton chapeau. Merci. Passe-moi ton chapeau. Bougez pas, j'arrive. Si tu dois vraiment canner un, celui de tout à droite, c'est lui qui lâche des petites piques, des petites phrases et tout à l'heure, j'ai analysé. Mais si vraiment tu dois en canner un. Ouais, si vraiment. Je l'aime bien. Moi, je le garde, hein. Merci. Ok, bon, en fait, vous voulez pas comprendre. Premièrement. Je vous menace, vous comprenez pas. Plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Deuxièmement, quand on arrive là, au lieu d'assumer vos erreurs, de dire voilà, nous on est des hommes, on a fait des erreurs, ok, on vous l'a mis un petit peu à l'envers, on vous a un petit peu baisé sur ça, on vous ment un petit peu sur ça, vous mentez, vous jouez sur les mots, vous me prenez pour des cons. La vérité, je vous parle sérieux parce que, j'ai plein de défauts mais je suis pas un menteur. Ça veut dire maintenant, vous seriez venu, vous auriez assumé, j'aurais dit bon, pourquoi pas. Mais là, malgré tout, vous mentez. Je t'ai dit quoi, Réfé? Je t'ai dit, tu reviens à Los Santos, je vous baisse vos mères. Eh ben, je vais baiser la mère d'un de vous maintenant. Je vais baiser la mère d'un de vous. Il y en a un, il va pas repartir, il va rester à Los Santos et il va mourir ici. Mais je sais pas encore lequel. C'est juste ça encore, je sais pas encore lequel. J'ai du mal à me décider. Seigneur, si vous pouvez me permettre. Vas-y, permets-toi. Je pense qu'on aimerait tous, enfin, du moins surtout ceux qui sont en ligne. Éviter la mort d'un de nos compagnons, non? Ouais. Je comprends qu'il y a. Moi aussi, j'aurais aimé. Je te jure, Gabriela, moi aussi, j'aurais aimé qu'on en arrive pas là. Gabriel, pour favor. Gabriel, je te jure, j'aurais aimé qu'on en arrive pas là. Mais au bout d'un moment, c'est là, il en va de ma crédibilité. Et je te promets, le truc, c'est que t'as vu les hommes qui sont derrière moi. On bosse ensemble. Et un jour, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais en fait, c'est des putes. Céliane, Bader, Idriss, c'est des putes. On peut les baiser, ils vont jamais nous tuer. Ils ont pas cap, ils ont pas les couilles. Je ne pense pas qu'ils pourront dire ça parce que... Vous allez vous dire ça ou pas? Vas-y, Ezekiel, tu vas te dire ça? Ouais, moi je me dirai. Et toi, Réfet, tu vas te dire ça? Ouais, une grosse... Et toi, Réfet Azteca, tu vas te dire ça ou pas? Bien sûr. Ok, ça marche. Alors, quand quelqu'un vous appelle, si c'est une pute pour vous, vous rappliquez directement. Je pense que non, c'est pas qu'on rapplique, mais tu vois, un jour... C'est la deuxième fois que j'entends dire les putes derrière, là. Si tu veux pas que je te baisse ta mère là maintenant devant tout le monde. Si, seigneur, je n'ai pas dit ça. Pero non, il y avait ton collègue tout à l'heure qui a dit ça. Et là, il y en a un qui a dit ouais, s'il est pute. Non problème, seigneur. J'essaie de régler les soucis. Mais c'est... Attends, il y en a un qui a dit s'il est pute. Ce serait dommage, non? Ouais, tout à l'heure, il y en a un qui a dit ouais, les putes derrière. C'est lequel? Je vais rien dire. Et tout à l'heure, je dis rien. Mais si on est là, c'est qu'il y a quelque chose. Attends, c'est lequel? Ah, je sais pas, il a quasi. Parce que en vrai, ça peut. Vu, j'étais derrière, c'est peut-être moi, non? À un moment, quand j'ai dit. Non, récemment là. Non, c'était pas toi. Il y en a un qui a dit les putes derrière. Si vous voulez pas que je vous baisse vos mères et que moi aussi je veux me mettre à vous faire la guerre tout seul, vous allez voir. La vie de ma mère, depuis tout à l'heure je suis là, vous entends parler pour rien. Tite, seigneur. Aïe. Vamos, seigneur, pour favor. Il n'y a aucune pute ici, les frères. Il n'y a aucune pute, il y a que des bonhommes. Écoutez-les pas. On pourrait discuter sans se faire. Du calme, il ne veut rien faire. Je vous jure qu'il ne veut rien faire, l'hélicoptère. Je le jure, il ne veut rien faire. Vous, l'hélicoptère? Non, mais c'est bon, ça fait des témoins en plus pour. Ah ben c'est la princesse. Oui, on est des bonhommes. Rien. Putain merde, non sur. Là par contre là c'est je vais les. Ouais non mais. Là, je vais les. Quelqu'un il va mourir. Ah mais attends, mais il y a le président. Restez calme. Venez, baissez vos armes tranquille. Venez. Reculez un petit peu, je me sens oppressé s'il vous plaît les gangsters, pitié. Incroyable ce qui se passe, ben voilà. On vous en prie, y aller. Putain merde. J'espère qu'il ne dérange pas.
Non, seigneur, nous étions en train de régler quelque chose. Non, j'étais sur le point d'en tuer. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il était informé qu'il y avait des problèmes. Il est permis de me déplacer en personne pour essayer d'apaiser les tensions. Seigneur Brabus, il me trompe. Vous avez été informé comment, chef? Oh, ben vous devriez surveiller les montagnes alentours, seigneurs. Ok, je ferai gaffe la prochaine fois. Oui, vous avez raison. Bon, enchanté de vous rencontrer, seigneur. Enchanté. J'espère ne pas arrêter une conversation trop intéressante. Et... Oh, ben là, là, on était sur le point culminant de la conversation. Hein. De... Non, de régler un problème. J'étais en train de... Non, j'étais en train de réfléchir à lequel d'eux j'allais abattre, monsieur le président. Vous voulez que je vous aide à choisir? En vrai, pourquoi pas? Où ça? Bon, avant de choisir, essayez de m'expliquer les problèmes et peut-être qu'on peut essayer de les régler. Ok, bon. Vous savez, ces hommes sont que des paysans qui travaillent dur, font peut-être des erreurs parfois, mais rien n'est insurmontable. Ok, bon, je vous présente un petit peu tous les gens qu'il y a là. Donc du coup, il y a encore un hélicoptère. Bon, dites au deuxième hélicoptère. Non, ça y est, c'est pas qui c'est ça. Ok. Prépose, il y a un petit peu, il y a quelques personnes de Los Santos, puisque ici on a Los Santos, je vous le rappelle, monsieur le président, du coup... Oui, j'imagine bien, oui. Du coup, notre président, c'est pas vous. En fait, ce qui se passe, c'est que ces messieurs du cartel... Il joue un petit peu avec ma bite. Désolé, je suis un peu tendu, monsieur le président. Hein. Vous me pardonnerez mes propos. Hein. Un peu vulgaire, même. Il y a... Oui, le problème, c'est qu'on a beau les menacer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Eh ben, ces messieurs ne veulent pas comprendre. Donc, au bout d'un moment, ma crédibilité est en train de se dégrader petit à petit. Et ça veut dire les gens qui travaillent pour moi à Los Santos, petit à petit, ils se disent, mais en fait, les frères Brabus, eux... Attends, qui a dit pour toi? S'il te plaît, assume, par pitié. Assume, allez, s'il vous plaît, c'est soyez moi, des hommes. Chemise bleue? Une simple question. D'accord, ok, c'est bon, ça marche. On a notre cible. Je te dirai avec. Exactement, avec. Merci de me reprendre, Réfette. J'en étais où? Le problème, c'est que ces gens qui travaillent avec moi, au bout d'un moment, ils vont se dire, mais en fait, les frères Brabus, on peut les baiser, il va rien nous arriver, puisque même les mecs du cartel qui les baisent 8 fois d'affilée, il leur fait rien. Donc là, je commence à chauffer, monsieur le président. Il comprend, il ressent la tension, mais il imagine que nous ne sommes pas encore arrivés à un cul-de-sac. Non, lui, j'ai trop envie de le tuer avec la chemise bleue. Oh, putain. T'as pas les couilles. Céline, pas besoin d'en arriver. Eh mais bref. Putain, nous, on avait pris la décision, monsieur le président. Là, vous, au contraire, enfin... Non, mais c'est sympa d'être venu, mais ça va... les choses, oui, nous. Je suis venu essayer de tempérer, si il ne peut rien faire. Il monte dans mon hélicoptère et il m'en veut, amigo. Mais vous devez comprendre que toute l'économie, une grande partie de l'économie de Cayo Perico dépend du commerce qu'on fait avec vous. Pour ça, il n'est pas arrivé pas envie d'arriver à un point de non-retour. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il refuse de se le mettre dans la tête. À partir du moment où on leur dit que dès le début, nous, on veut coopérer avec vous pour avoir de la bonne cam et pour faire du bon travail, et que malgré ça, eux refusent de se plier aux conditions de Los Santos pour acheter de la drogue. Donc forcément, ça pose problème. Quand on leur dit premièrement, on ne veut pas passer l'argent avant. On veut une réduction des prix, on a mieux ici, etc., etc., et que ces gens refusent de négocier avec nous. Forcément, on ne travaille pas avec eux, monsieur le président, c'est normal. Je comprends tout à fait. Voilà. Et maintenant, on arrive là. Si maintenant, ces gens s'engageaient, et je m'engageais moi-même, président de Cayo Perico, à ce que les cartels travaillent selon vos conditions. Et vous dites ça pour les sauver, monsieur le président. Évidemment que je veux les sauver, mais il n'y a pas d'intérêt à vous mentir, mais bon. Derba, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Écoutez, en fait, là, on avance, monsieur le président. Vous avez dit une phrase qui est très importante, que je surligne. Vous avez dit, vous avez besoin de Los Santos pour faire du commerce. Oui, là où il y a eu un problème, où tout est parti en couille, c'est à partir du moment où les gens de Cayo faisaient subir des choses atroces aux gens de Los Santos. Tous ensemble, main dans la main. Et ce qui a créé le résultat derrière vous, c'est-à-dire les Aztecas. Les gens pas contents, tout le monde personne n'est content. Voilà, personne n'est content et qui se. Comment dire. Qui se rallie, entre guillemets. Et Dieu sait à quel point les Aztecas et les Vagos se détestent. Hein. Ça veut dire que l'ennemi est tellement grand que. Vous connaissez les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Un point de non-retour, comme on dit, où il n'y a plus le choix. Donc, plus de choix qu'à abattre ces hommes pour. Non, ils n'allaient pas mourir là. Parce que plus le choix que de s'entraider. De s'entraider ici, quoi. De s'entraider entre nous. Maintenant, le... Je
Je sais pas, Célia, putain. Viens, on fait ce qu'on a. En fait, je vous propose quelque chose. Célia, écoute. Qu'est-ce que tu veux pour épargner la vie d'Adamo? Je veux... Non, là, j'ai le goût du sang dans la bouche, en fait, là. En fait, vous nous avez mis dans nos cœurs de la haine. On a la haine et on veut plus régler nos problèmes. On veut juste que vous ne veniez plus à Los Santos. C'est juste ça, le problème. On vous l'a dit plusieurs fois, vous pensez qu'on rigolait. Ne venez plus ici. Tu me prends pas au sérieux. Hier, monsieur le président, pas plus tard que hier, je lui ai dit tu reviens à Los Santos, je te baisse ta mère. Je lui ai dit implicitement, monsieur le président. Regardez encore ce soir. Il me prend pas au sérieux, en fait, ce mec. Dans ce cas, il vous propose quelque chose. Dites-moi. Enterrons la gage de guerre aujourd'hui entre vos organisations et les cartels de Cayo Perico. Comment? Travaillons selon vos désirs pour exporter ce que nous fabriquons là-bas. Et à la prochaine erreur, je m'engage moi-même à vous amener n'importe quel homme du cartel que vous désirez si il met en travers vos plans. Moi, je pense l'inverse. C'est-à-dire que nous, on veut plus travailler avec eux. C'est fini. Ils ont merdé, ils ont fait les cons. Que ce soit, et moi là je parle d'une manière générale, hein, président, c'est tout le monde, même les serveurs, la DSF ou je sais pas quoi, les indigènes, tout le monde. Donc là on veut juste plus voir les gens de Cayo ici. Là on avait pris notre décision. Nous on veut pas vous empêcher de travailler avec les Américains du monde, mais juste, vous venez pas à Los Santos. Tant qu'on n'a pas ravalé notre seum, vous venez pas à Los Santos. C'est ça, et de toute façon, combien de fois ils nous l'ont dit, hein, qu'ils ont pas besoin de nous. Oui, vous n'avez pas besoin de Los Santos. Tu te rappelles, Rafa, la dernière fois? Pour la première fois, après tous ces rendez-vous qu'on a eu, toutes ces discussions, c'est la première fois qu'on entend de quelqu'un de Cayo Perico qui dit qu'il a besoin de Los Santos. Et c'est le président, en plus, qui le dit. Donc maintenant, comment dire? En vrai, la décision, elle est prise. Non, Céline, c'est fini. Il n'y a pas de... Là, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je le crois. Moi, j'ai une question. Ils payent ou pas, les mecs de Cayo, quand ils viennent à Los Santos? Comment ça, ils payent? Bah, pour venir à Los Santos, nous on paye pour aller à Cayo. Pas tous, seigneur. Ok, ma question c'est, tu payes quand tu viens à Los Santos ou pas? Ça dépend pourquoi je viens, seigneur. Bah là, pour ton business. Oh. Quand tu viens chercher de l'argent, t'as payé, bah maintenant tu payes. Tu payes et tu travailles selon nos conditions. Et si t'es pas content, tu restes à Cayo. Voilà ça, seigneur. C'est bien, viens voir. Oh, attends, parce qu'en vrai, regarde derrière moi. Putain, viens voir. Bougez pas. Ouais. On leur met une taxe. Ouais, c'est ce que la vie de ma mère, j'allais dire ça. Viens, on leur met une. En gros, mais on abuse, hein, une tonne par semaine, un truc de niqué. Hein. Ils nous ramènent s'ils veulent commercer. Ah non, moi j'aurais pas vu ça. Genre, on les met en relation avec les clients, ils passent par nous. Et derrière, en gros, regarde ce qui se passe. Oh là là, mais c'est un peu dur à mettre en place, mais en gros, imagine, ils prennent. On les met en relation avec les bagos, ils achètent 500 kilos. Eh ben, on leur met une taxe de 20%. Et 20% en plus qui nous reviennent à nous. Ça veut dire qu'ils passent 500 kilos plus 20% qu'ils doivent nous livrer. Eh, pour moi, ils vont nous couiller. Ils vont prendre, tu vois, par exemple, avec les groupes, ils vont s'entendre un peu. Enfin, un peu, ils vont. Non, mais les groupes, ça leur change rien. Les groupes, ça leur change rien, tu vois. Je sais pas. Mais de toute façon, on leur met une taxe n'importe quelle manière. Hein. Moi, c'est toi le mathématicien. C'est toi qui vois. Sont pas là que vous pouvez ouvrir votre on leur met une taxe et voilà. Mais là, le président, pour moi, il servait à rien qu'il vienne là. Si, je te jure, parce que là, vraiment. Là, il y a un monde où je tue personne. Sinon, il y avait vraiment. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il en a sauvé un. Mais bon, il s'est sali. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois qu'on voit le président, ce fils de pute. Il y a la princesse aussi, hein. Mais. Ouais, j'ai vu. Même, je sais pas si c'est Luna ou Selena, je sais pas. Non, je crois pas que ça c'est. Une balle dans la jambe à la princesse. Non. Ah, vas-y, t'es un peu. Comment une taxe? Comment une taxe? Du coup, comment on l'a fait la taxe? Mais elle t'a pris pour un petit. Comment on l'a fait la taxe? Pas une balle dans la jambe. Comment on l'a fait la taxe? Comment on l'a fait? Pour moi, le plus simple, c'est qu'on leur demande des tonnes par semaine. Comme ça, ils vont les ramener. On aura de la coke à foison. Ok, vas-y, viens. Pour moi, c'est mieux. Hein, oui, mais viens, on le fait en proportion de ce qu'ils ont ramené aux autres groupes. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, attends, tu vas voir, j'ai le formulaire, tu vas capter. Ok, on a réfléchi. Si. Oui, ok. Et on a pris la décision de on vous partez et c'est bon, tout est réglé. Non, on a. Oui. Eh ouais, c'est pas ça. Bon, y a un monde dans lequel on peut s'entendre. C'est soit ça, soit vous partez bredouille et vous travaillez plus avec nous.
En gros, ces groupes-là sont des gens qui vendent de la drogue, peu importe quelle soit, celle de Los Santos ou de Cayo Perico. Et moi, j'accepte de vous mettre en contact avec eux. Du coup, ce que vous faites, c'est que si jamais, par exemple, les Vagos ont besoin de drogue, et qu'ils ont besoin, par exemple, de 500 kilos, il y aura une taxe à chaque fois. Il y aura une taxe de bénéfice en plus pour les Vagos, et il y aura une taxe de bénéfice en plus pour nous. C'est-à-dire, admettons, on se dit 20%. Si vous ramenez une tonne, donc 1000, eh ben, il y a 100 de bonus en plus pour les Vagos et 100 de bonus en plus pour nous, les frères Brabus. Comme ça, nous, on est contents, et les groupes, ils sont contents aussi. Seigneur, et vous discutez directement avec cette personne. Je suis venu essayer d'apaiser l'atmosphère parce qu'on m'a dit que des hommes étaient braqués. Oui. Okay. Maintenant, les conditions, établissez-les avec eux. Ben, je vais pas répéter quand même. Je vais pas te mentir, j'ai pas écouté. Eh ben, monte dans ton hélico, je vais buter le mec avec la chemise bleue. Allez, tu m'écoutes pas, montez dans vos hélicos. C'est bon. Non, je vais pas répéter. Je le jure, je vais pas répéter. Seigneur, est-ce qu'on peut lui dire? Vas-y, dis-lui. En gros, si on... Ah non, là, tu m'as remis la haine, là. Si on le ramène une tonne des... Non, c'est bon. Je vous jure, c'est bon. Laisse tomber. Allez, bougez. Bougez, chemise bleue, tu restes ici. Explique-moi. Chemise bleue, reste ici, bougez. Cassez-vous. Cassez-vous, je vais en tuer plus que ce qu'il y avait de prévu. Seigneur, laisse monter dans les coches. Allez, les paysans, vamos. Seigneur, laisse monter dans les coches. Céliane. Bouge. Allez, gâteau pour le chapeau. Stylé le président. Aïe. Le braise, il a gratté le chapeau. Je vais le faire. C'est trop tard. Ah non, c'est trop tard. Céliane, je t'ai pas entendu. Écoute, si tu reprends tout de suite, regarde, recule avec ton pote, t'as 30 secondes pour qu'il t'explique. Maison va me répéter. Non, il écoutait pas, il était pas attentif. T'étais pas attentif. Dégage de Los Santos, tu reviens plus. Reviens plus à Los Santos. Arrache ta mère, reviens plus à Los Santos. Dépêche-toi, casse-toi. Pars à Cayo Perico, dépêche-toi avant que je change d'avis, je te tue toi aussi. Casse-toi. Est-ce qu'un de mes hommes peut me répéter ce que t'as dit? Casse-toi. Je vais péter un câble, hein. T'as vraiment pas envie de me tester? Casse-toi. Je comprends pas, non. J'accepte ta proposition. Dégage. Mais c'est un truc de fou, j'aime pas me répéter, hein. Nique ta mère! Prenez la coque dans leur voiture, servez-vous tous là! Servez-vous tous comme si c'était chez vous! On n'a pas de marchandises, seigneur! Ah, vous êtes venu sans. Attendez! On n'a pas de marchandises! Vous êtes venu sans rien? Vous étiez venu. Prendre l'argent et après. D'accord, les Vagos, ils allaient vous baiser! Ils allaient vous baiser, les Vagos, d'accord! Ça marche! Allez, dégagez! Dégagez! Allez, toi, chemise bleue, tu restes là, toi! Crois pas que je suis à partir! C'est bien, t'es vraiment obligé de faire ça! Reste ici et les autres, partez! Allez, dégagez! Regardez, vous êtes des bonhommes, vous restez avec lui maintenant. Solidarité masculine. Oui, solidarité masculine. Vas-y, restez, j'attends que ça, moi. Céliane. S'il te plaît, avant que ça prenne des proportions plus terribles. J'ai la barre de les voir là en train de paniquer. Ah, paniquer, bande de pute. Voilà, panique, tranche. Rentre dans ta voiture. Tu vas prendre pour lui. Vas-y, attends. Je l'ai écouté, je l'ai entendu. Pourquoi attends, Bader? Vas-y, ils me font de la peine. Tu vas pas y paniquer comme des types. Mais y a pas de peine. Ils auraient pas eu de peine pour nous. Je jure qu'ils auraient pas eu de peine pour nous. Imagine juste si jamais dans l'inverse à Cayo Perico. Et si j'avais pas écouté, on aurait dit, on n'a pas écouté. Imagine. C'est pas lui qui mérite. Le plus, la vie de ma mère, c'est pas lui qui mérite. Et c'est le lequel plus. Alors? Il y a une voiture qui est partie. C'est hein. Le pute qui est parti, hein. C'est la voiture. Bah regarde, la voiture qui est partie. Ils les ont lâchés. Appelle-les, dis-leur de revenir, dépêche-toi. C'est les autres, dépêche-toi. La chemise noire et dorée. Appelez-les, dépêchez-vous. Appelez-les. Eh ouais, Alberto, ferme ta gueule. Je me permets, vu que tu vas crever, je te prends à boire. Il va pas crever. Squat ton place, toi, chemise bleue, t'es qui? Raimundo. Pourquoi t'ouvres ta bouche là? Encerclez pas, s'il vous plaît. Mettez-vous de votre côté, les gangsters, par pitié. C'est trop le bordel là, je comprends pas. Rappelle l'autre voiture, ils vous ont lâché. Il a quand même essayé de négocier avec moi pendant que vous partez, donc. Il a essayé de négocier quoi? Il voulait savoir pourquoi on tenait avec vous, patati patata. Ok. Qui a essayé de négocier avec toi? Qui? Est-ce qu'il te parle à toi? Non, donc tais-toi. Si, moi, je suis pas venu le voir, c'est rien de ça. Personne négocie avec toi. Chut. Ok, d'accord. Ah, j'ai négocié avec toi, est-ce qu'on peut tais-toi, mais en fait, tu comprends pas quoi? Non, tais-toi, appelle tes potes, dis-leur qu'ils reviennent. Ils arrivent. Super, ils arrivent. Tais-toi. Dis-moi, Frangin, viens voir. Ah non, hein. Alors là, Derba, je lâche trop énervé là. Ah ouais? Ah oui. Non, mais en vrai, c'est vrai. T'en viens. Mais imagine l'inverse, on a Caillou, il nous parle, on aurait dit où, on n'a pas écouté.
C'est vrai, mais je pense qu'il a pas fait exprès. Ouais, mais bon, ça fait partie de la vie. Je pense pas qu'il a fait d'une manière pour toute la haine. Moi, oui, mais c'est la... oui, mais c'est la vie, frérot. C'est grave. Ouais, je sais. Mais en fait. Non, mais il mérite, t'as vu le mec en bleu, la vie de ma mère, il mérite. Mais le pire, c'est l'autre de droite, la vie de ma mère, j'ai analysé depuis tout à l'heure, c'est lui qui lâchait des petites piques, des trucs chelous, c'est lui, tout à droite là, la chemise. Parce qu'en fait, ils sont deux groupes, c'est ça leur problème, ils sont là, paysans, cartel, il y a aussi un mec qui n'est pas paysan, t'as vu, c'est ça, ils sont un million, chacun parle pour l'autre et tout, et ça part en couille. Parce que là, pour moi, tu tues le mec en bleu, c'est fini, hein. Ça part en couille, il y a un million de mecs qui vont canner. Je leur baise leur grand-mère, Et me dis-moi pas ça, je vais les tuer tous sinon. T'as dit quoi? Dis-moi pas ça parce que je vais tous les buter sinon. Céline, tu parles à qui là? À toi? Tu qu'on s'embrouille là, Céline, devant tout le monde. Vas-y, appelle les autres, fils de pute, ils sont où les autres paysans là? Ils sont partis. Ah, ils reviennent pas? Ils t'ont pas répondu? Je crois qu'ils nous ont lâchés. Ils m'ont dit qu'il a T'es un menteur. Vas-y, on attend. Si, je te jure. Tu mens encore? Ils arrivent. Non, pourquoi? Je te jure, il m'a dit qu'ils arrivent. C'est quoi la phrase que t'as dit en bleu? C'est quoi la phrase que t'as dit qui t'a mis dans la merde là? Pour nous. C'est quoi ta phrase? Pour nous, c'est ça, il a relevé, genre il a dit pour nous. En mode, vous êtes des putes. En fait, vous travaillez pour eux. C'est comme ça que vous l'avez compris, non, les gangsters? Ouais. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Regardez, les paysans, ils vous ont lâché en 2-2. Mais la vie de ma mère, quelle honte. Le plus important, c'est que je sois là et discute avec vous. C'est plus important. Ah là t'es sage et tu hein, là t'as la tête sur les épaules, là t'écoutes bien. Là si je te dis nique ta mère, t'as écouté? J'ai bien entendu. Tout à l'heure quand il a parlé de prix, t'as pas écouté hein, petit fils de pute. Ils sont là. M'en fous, ta gueule. Parle à maman, je t'encule. C'est bon, arrêtez de stresser, ils vont rien faire. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Hein. Venez les paysans. Bande de petits fils de pute, vous partez, vous les laissez? La tête de ça, c'est. Ça résume. Va là-bas. Ok, je vais en buter un temps, je vais te buter. C'est toi que je vais buter. Les autres, vous pouvez partir du coup. Maintenant, changez d'avis. C'est pas ta chemise bleue, t'es un bon. Allez, partez. Maintenant, vous partez. Et toi, tu restes. Ok. Ta gueule. Partez. Vas-y, partez là. Bougez, démarrez. Allez, oust. Cartel, vous hésitez alors qu'eux, ils sont partis directement. Bonne soirée. Ouais, mais c'est bon, tu peux repartir en fait. Non, la discussion elle est finie, je t'ai dit. Là, tu viens plus à Los Santos. Vous revenez à Los Santos, je te baisse vraiment ta mère. Là, par contre, là, vraiment, il y a pas de retour, il y a pas de truc. Lui, je vais l'attraper, je vais le buter. Je te propose la coca pour épargner sa vie. On verra plus tard. Laisse-moi ravaler ma haine, je t'ai dit. On se rappellera dans une semaine ou quoi, on verra, on discutera. Pour épargner sa vie, combien? Non, je vais pas épargner. Mais il me donne même un million, je vais lui baiser sa mère. Un million, je lui suce la bite, moi, t'es sérieux quoi? Non. Seigneur. 200 pochons ce soir. Mais nique ta grand-mère avec tes 200 pochons. Allez, partez, je vais le buter. Attends, Céline, attends. S'il y a de l'argent, on s'en fout. Non, je lui baisse sa mère, je vais le tuer. Si, je vais le tuer. Mais une demi-tonne, je t'encule. Je m'en bats les couilles, une demi-tonne. Une tonne. Pourquoi tu fais ça, Bader? Pourquoi? Mais parce que de l'argent avant. On est plein. On a la drogue, on a l'argent. Je m'en bats les couilles. Toujours plus. On a la drogue, on a l'argent. Derba, je vais juste. Je le dis tous les jours. Je vais juste lui baiser. Non, vise les étoiles et t'auras la lune. Ah bref, t'as compris. Voilà. Ben là, ça va être de la coke en plus gratuitement. Cassez-vous. Écoutez pas Bader. On va se rappeler dans une semaine. Si jamais vous êtes pas des fils de pute, peut-être qu'on pourra en discuter. Pour l'instant, vous partez et votre fils de pute de pote avec la chemise dorée et noire, je vais lui baiser sa mère. Allez, partez, okay, vraiment! Seigneur, ta gueule, tu fais des pics depuis tout à l'heure, je t'ai bien analysé toi depuis tout à l'heure. Comme tu l'as dit, c'est un paysan, il a rien à voir. Je vais le tuer. Non, mais lui, pourquoi c'est lui? Parce que lui, c'est celui qui parle le plus mal, qui lâchait des petites phrases. C'est toi qui étais insolent tout à l'heure. Pas moi qui lâchais des. Non, il avait raison de lâcher. T'es sûr, c'est lui? Si. Il avait dit quoi lui? Le seul truc que je vous ai dit. La vie de ma mère, c'est toi, juste personne t'a calculé, mais la vie de ma mère t'a sorti. Lui, regarde, j'en parlais. C'est qu'on a de la plata à vous proposer, c'est tout. Bah, Derba, c'est trop long. Partez, je vais vous. Non, je vais tous vous tuer. Je compte jusqu'à 3, ceux qui sont encore là, je les bute. 1. Ah, j'ai dit. Dépêche-toi. 2. Allez, cassez-vous. C'est dommage, c'est bien. Cassez-vous. On se rappellera dans une semaine, on verra. Pour l'instant, je veux plus vous voir. Vite, ça va partir à 3. Dégagez.
que l'autre. Et revenez pas, revenez pas à Los Santos. Vous voulez vendre votre carte, vous faites par téléphone et c'est eux qui viennent. Dépêchez-vous, cassez-vous. Mais portez couilles un minimum. Va sur le bord, va sur le bord. Tu parlais des autres groupes derrière, tu parlais tout ça, je sais plus. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, seigneur. Le seul truc que j'ai dit. C'est toi, je le sais, je t'ai vu. Vous voulez, seigneur, que je sois moi. Oui, moi je veux que tu meurs. Voilà, c'est gratuit, tu vas mourir gratuit. C'est bon, tu me saoules, wesh. Là, vous allez tuer un simple. Oui, on va tuer un simple paysan qui a travaillé toute sa vie la terre et qui, de manière totalement gratuite, pour rien. Voilà, pour rien. Exactement, on va tuer exactement pour ça, pour rien. On va tuer pour rien, on va tuer. Tu savais que tout ce qui appartenait à la terre retournait à la terre. Aztecas, je vous recontacte, je vais vous mettre bien. Vagos, je vous recontacte, je vais vous mettre bien. Mayan, à moins qu'il y en ait un qui veuille le tuer de ses mains. Mayan, je vous recontacte, je vais vous mettre bien, ok? On va le prendre avec nous et je vais m'occuper de lui avec Derba et James. Ils reviennent là? C'est trop. Ah, ils veulent pas comprendre, hein. Attends, je vais voir, je reviens. Attends. Tu vas faire quoi là? Je vais le buter. Tu veux le faire? Ouais, je veux le faire. Ouais. Vas-y. En fait, je t'explique. Là, ils vont en caner un, tu vois, à tout prix. T'es un petit paysan, seigneur. D'accord. Mais celui, parmi vous tous, les 10 mecs, c'est lui qui avait mal parlé, qui avait lancé des petites phrases. Et si vous avez été attentif, tu le sais. On est voilà. Ça va être bonne fois. Voilà. C'est les paysans. Il a la grande bouche, lui. Est-ce que dans ce cas-là, on est bête, seigneur? On est bête. Lui, c'est un paysan, seigneur. Non, par contre, je vais vous tuer. Vous voulez pas comprendre? Je vais aller chercher. Bref, les gars, là ça va. Seigneur, ce que je vais vous dire. Il y a des places à l'arrière dans celui-là? Non, y a pas. C'est à vous les moyens de ça? Ouais, y a pas non plus. Lui là, lui je peux le prendre là? Ah non, ça c'est pas lui, nous. C'est à eux celui-là. Non, ça c'est à eux. C'est à eux? Bonhomme, tu l'enfonces dedans, Ils viennent d'arriver avec. Tiens, prends celui-là, c'est que je peux parler. Votre frère, seigneur, essayez de le canaliser. Non mais il y a deux places. Hein. Ah, il te faut 4 places. Ouais. C'est bon. Non mais je leur baisse leur merde. Je prends pas leur tonne. Je la veux pas. Derba, sois ferme, s'il te plaît. Un peu d'air. Laisse-moi assister à ça. Oui, grimpe. Oh là là, tiens bon. Derba, monte dans la voiture. Ils nous offriront dans un mois quand je serai calmé. Là, je suis pas calme. Désolé les frères. Monte dans la voiture, Derba. La haine, c'est. La haine se transforme en dalle. La dalle se transforme en réussite. Petit fils de pute, monte, James. Monte dans le coffre, toi, James. Viens, lui, monte avec nous. Toi, James, tu montes dans le coffre. Abir, tu montes dans le coffre. Et je vous tiens au courant les gangsters. Là, c'est là. Vas-y, c'est notre. Ouais, je vous la ramènerai. Vas-y, les Mayans, partez tranquillement. Eh, s'ils me suivent, vous leur tirez dessus. Fais gaffe. Prends-lui son bigot. Prends-lui son bigot et ça meurt. Envoie ton téléphone, fils de pute. Donne. Hop. Ta radio. Voilà, pour le boss, seigneur. Vas-y, va là-bas, s'il te plaît. Donc, c'est la fin, seigneurs. Me dire que mon rêve va pas s'accomplir. C'est quoi ton rêve? Il nous fera parler sentiments. Dis ton rêve pour de vrai. La vie de ma mère, dis pas, je m'en fous. Juste pour voir. Si c'est un rêve de merde, par contre, je t'insulte. Je vous jure, je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter une coachée. Fils de pute. Non, mais c'est arrête de dire je m'en bats les couilles, on lui a dit qu'on lui disait pas je m'en bats les couilles. Non, il a dit je m'en fous, il a pas dit je m'en bats les couilles. Vas-y, j'ai une maison après. Une maison, une coachée, avoir peut-être des enfants. Eh ben, t'auras rien du tout, mon rêve. Non, je rigole, c'est pas. Bref. Regarde, là, regarde. Je vais allumer le club, Badal, ok? Jamais manqué de respect. Jamais. Je vais allumer le club, tu vas me laisser la fumée. Et pendant le laps de temps où ma clope, je la fume, tu as trouvé un plan B pour qu'on le tue pas. Si jamais tu me convaincs pas, eh ben je le tue. Qui, moi? Ouais, toi. Et je te suce la bite aussi? Allez, je vais allumer ma clope. Mais je vais... Putain, Allez, défends-toi, mon ref, devant, là. C'est toi qui dois te défendre. Ce matin, j'ai vomi. Excuse-moi, t'aurais pas une petite pièce? Je conduisais un Clio. Hier encore, si t'es en Lamborghini, je préfère mourir que tomber à zéro. Nickel casino. Y'a plein de gnagnons amoureux qui ont sorti de Valentino. Ça serait primar, poteau, si je réfléchis à toutes ces liasses sans piliers d'emporter dans les six. Mais je suis Trixma, motherfucking Trixma, parce que c'est ce que ça rapporte. Derba, moi je te parle. T'as vu par rapport au ton ou quoi? Derba! Par rapport au ton et tout, tu voulais pas faire un truc? Pour moi, un million, ouais, ça en fait. Eh ben, appelle-les tant que je suis ma clope. Si t'hésites, bah oui, un million. Vas-y, j'hésite. Après, non. Un million, c'est 2 millions. Non, tu t'es dit, procès passé, ils allaient payer quand même 400 kilos de pochons de caillou les balles. Hein. Vous aussi, votre téléphone, il a du mal un peu. Ouais, il a du mal. Ouais, un peu, ouais. Vas-y, mets-nous l'eau à la bouche, là. Et qui a le numéro du préfet, là, du cartel? Mon téléphone a un problème, hein. Je ne peux contacter personne. Eh ben, tant pis, on va te tuer de sang-froid. Vas-y, Ezekiel, fais ton petit non, charabia. Non, il faut que ça soit James. James, il doit tuer quelqu'un en premier, c'est bon. Vas-y, James. T'as jamais tué James? Jamais. Pine-lui sa mère. Tuer une personne gratuitement comme ça. Jamais tué, James. Écoute, tu vas me donner un argument de pas de canner. Vas-y. Je n'ai fait à aucun d'entre vous ici du mal. Et je n'ai jamais pas.
Eh bah James, la tête de ma mère, c'est toi qui viens de signer ton arrêt de mort, fils de pute, il était marié à la princesse. Lui ? Marié, ouais, il était marié, je viens de l'apprendre, il était marié. Personne va le savoir, c'est James, personne va le savoir, c'est James, puis fils de pute, d'Ezekiel. Mais personne va le savoir. Comment ça, il était marié avec la princesse ? Oui, mais personne sait qui a tiré. Mais qui personne va savoir que c'est James qui a tiré. Attends, ouais, c'était le mari de la princesse ? Ah, je crois vraiment que c'était le mari de la princesse, fils de. Comment il s'appelait ? Il nous l'a pas dit, il est trop con. Il l'aurait dit, ça l'aurait sauvé. Là, il est mort là ? Peut-être le caca. Sauver, non, bah c'est oui, du caca, ça. Il est mort, moi. Oh, t'es là, mon gars ? Je lui ai mis dans la tête, frère, bien sûr qu'il est mort. On peut pas le sauver. Tu nous as dit quoi ? 1200, c'est ça ? 1,2 million, on avait dit, c'est ça. Tu nous as dit 1200 là. Tu nous as jamais fait du mal. La princesse, elle était là-bas, la princesse. Non, lève-toi, garçon, lève-toi, c'est une petite blague. Allez, c'est rien, lève-toi, mon gars, c'est bon. Oh, t'es quand même pas mort, mon gars. Mais non. Eh ben, toi, t'es mort en tout cas, James. Mais on va les couilles, parce que dans tous les cas, mais il allait me canner, frère. Lui et Rafa, ils allaient me canner. Je préfère que j'en canne un. Ah oui, c'est vrai, la vie de ma mère, c'est vrai. Voilà, j'ai oublié. Je te jure, ils allaient me canner, frère, tant pis. Là, t'es en train de faire la guerre à. Mais en fait, James, il est en train de faire la guerre au mec de Caillou, James. On est pas au courant. Putain, c'est un vrai bonhomme. En tout cas, t'es un bonhomme, James. Je te jure, t'es un bonhomme. T'as buté l'héritier de Caillou. Bien joué. En fait, pourquoi il l'a pas dit ? Il est débile. Tu viens de buter le futur président, James. La tête de ma mère, t'as des couilles. T'es trop fort. Je te jure qu'il méritait, frère. Mais pourquoi il l'a pas dit, Ezekiel Pro ? J'sais non mais tant pis, moi j'y crois pas trop. Hein. Je lui dis un argument, un truc qui, bref, bah forcément. Non, en vrai, peut-être les mecs ils ont dit ça pour essayer de le sauver. Hein. Moi, regarde, moi c'est un de mes gars, il vient de me dire à la radio là maintenant, il m'a dit quoi ? Il m'a dit ouais, le mec que vous venez de kidnapper, les mecs. Attends, écartez-vous. De dire que c'était le. C'était le gars de la princesse. La princesse, vérifiez. J'essaie de l'appeler, réponds pas. Je pense que c'est faux, non ? Essaye, on sait jamais, hein. Je pense que c'était pour le sauver. Ouais, je pense que c'était pour le sauver. Je garde ça en souvenir parce que c'est vraiment magnifique. Ah ! Allo ? Allo ? Oui, c'est qui ? Ils sont où les 5000 ? Ah, attends, il y a le président qui m'appelle, attends. Oui, allô ? C'est cassé, réparé. J'ai pas prévu de vous rappeler aujourd'hui, vous avez compris que vous m'avez demandé de partir, je suis parti, mais... Vous avez bien fait. J'ai appris que vous aviez gardé un certain chicharro, hein. Ouais. Pour tous les hommes présents, il a fallu que vous preniez l'homme qui a grâce aux yeux de ma fille. Ah ben. J'ai pas l'intention de tenter quoi que ce soit d'héroïque pour les sauver. Bah, je crois que c'était vraiment vrai en fait, hein. Oui, c'était vrai. Oui, je vous écoute, hein, monsieur le président. Pas obligé de dire qu'il est mort, on peut dire qu'on. Qu'on l'a libéré, qu'il s'est fait attaquer par un ours. Chicharro. Vous voulez qu'on échange Chicharro avec quelqu'un ? Oh non ! Oui, bah, vas-y. Tu sais faire l'accent. T'es mort, fils de pute, t'es mort. Donc, attendez, parce que j'ai un petit contre-temps là. Attendez, j'ai pas de réseau, je vous rappelle. Il a dit. Oh yo yo, t'as tué le prince héritier de Caillou, fils de pute. Non, vraiment? Oui, vraiment. Le président, il m'a dit. Vous avez attrapé celui pour lequel ma fille elle est tombée sous le charme, genre. Donc on l'échange avec n'importe lequel d'entre vous. Oh, enfin, n'importe lequel d'entre nous, genre. Pas les couilles, il parlait mal. Il est trop con, il a pas dit. La vie de ma mère, il mérite. Ouais, il a pas dit. Tiens, baisse ta mère. La vie de ma mère, il est trop con de pas l'avoir dit. Vas-y, James, vas-y, James, remets-lui une sur couche de balle. La vie de ma mère, les gars. Venez, on tire tous, les frères. Ouais, nique ta mère. On s'en bat les couilles, on perd le coup. Ouais. Moi, je lui dis quoi? Mais lui, voilà, vas-y. Arrêtez, respectez son corps, respectez son corps. Une balle. T'as fait mal, la pavé se fait plus mal. Attendez, tu sais quoi? Attendez. Attends. Vas-y. Je vais l'appeler, je vais lui dire au pire, il récupère son corps. Allo? Putain, vise-le bien. Mais je tremble un peu là. Oui, monsieur le président, ça va, vous allez bien? Comment dire? Ben je peux faire. C'est quelle petite pute, viens. Attends, tais-toi. Je peux faire en sorte que vous le récupériez, ouais. Et contre quoi? Contre quoi, Derban? On les souille. Un million de dollars. Ou une tonne de cocaïne. Non, c'est bon, on vous le donne gratuit. Hein. Lui, on lui fera des doigts. Mais, vous avez dit quoi, monsieur le président? Il est mort, c'est ça ? Contre une vieille. Ouais. Gracias. Il m'a dit il est mort, c'est ça ? Les frères, on allait tous le fumer, d'accord ? Si ce serait pas moi, ce serait un de nous. Si c'était pas moi. James, vite, lâche une rafale dessus. C'est bon. Oh, t'es un bonhomme, Ezekiel. Attends, mais pourquoi tu crames le corps ? Mais pourquoi pas ? Aïe. Oh, j'ai joué. Mais pourquoi ? On a pas eu la même éducation. Mais pourquoi pas ? Mais il fallait qu'on lui redonne. Bah oui. Non, il m'a dit, il a raccroché au nez. Wesh, ça crame ton truc. Il m'a raccroché au nez, il m'a dit
Ah oui, ça brûle, trop de balles, c'est du feu. Il m'a dit, il est mort, j'ai dit ouais, et après il a raccroché au nez. Oh là là, James. James, monte James. Attends, prends une photo pour ça, la princesse. J'ai pris, t'inquiète. Ah bien joué. Tu l'as envoyé ? Non, je t'ai envoyé à toi. Envoie-lui, non ? Je l'envoie ? Ok. Il dit ouais. Je vais lui baisser. C'est bon, je vais envoyer la photo. Aïe, fils de pute, je vais te niquer. Hein. Mais c'est un truc de fou quand même, la chance. Hein. On est tombé comme par hasard sur le mec qui a, avec qui c'est la personne. C'est à cause de Derba, il a changé au dernier moment le mec. Parce que c'est lui qui parlait le plus mal. La vie de ma mère, les gars, vous l'aurez vu, il parlait grave mal. La vie de ma mère. Okay, il a lâché des pics déjà sur les gens qui étaient derrière. Je suis certain. C'est lui, il lâchait des phrases, des pics à propos des. Qu'il y a tous les groupes. Il disait, ah, donc c'est eux leur. La vie de ma mère, il a dit quoi? Ah, c'est donc lui leur chef, hein. On sait maintenant c'est qui leur chef à eux. En parlant de Céliane, la vie de ma mère, c'est lui, il mérite à 200%. Maintenant, la question c'est. Pourquoi il l'a pas dit lui aussi? Ouais, il est trop con. Après, parce qu'il est pas en couple, je crois que c'est juste la princesse, l'amoureuse d'elle en fait. L'amoureuse de lui, pardon. Non, je suis content parce que cette pute, elle m'a même manipulé. Mais c'était de la famille au président, du coup, là, non? Non, c'était juste le crush de la princesse en gros. C'est rien. Ah bah, c'est bon, vraiment. C'est bon, non? Va voir, quand elle va commencer à taper un caprice à son père pour qu'il fasse la guerre. Ah, c'est bon, les frères. Ah là là, t'étais mon frère, les doigts qui perdent. Attends, j'appelle partout. Le président, j'appelle le président, j'essaie de calmer un peu ça. Et maintenant, c'est vous les putes. Voilà, oui, allô. Je voulais pas en arriver. Vous voulez récupérer le corps? Non, pas du tout. Non? C'est pas la peine, et vous dérangez plus. Adios. Au revoir. Imagine, non, c'est pas la peine, je vous dérangerai plus, adios. Ma bite, c'est un menteur. C'est bon alors? C'est bon, problème réglé, les gars. On est bien. Toi, t'es naïf, toi. Ça va? Bonsoir. C'était trop bien. Bonsoir, vous allez bien? Vous êtes des militaires? Ouais. Faites quoi ici? Mais vous n'avez pas l'Amérique à défendre? Bah, si, c'est ce qu'on est en train de faire. Bah, tout à l'heure, il y avait des hélicoptères de Caio Perico qui sont venus infiltrer sur notre territoire et vous êtes là devant un bar de putes. Ouais, mais on n'a pas eu l'info. Bah, enquêtez. Ouais, c'est noté, on va enquêter. Hein. On va prendre un verre d'abord. On se fait envahir car pas au Perico, ils sont là, ils parlent de gagne en fait, fille. Tout se passe mal, mais vous êtes qui? C'est l'armée ça? Non, c'est Mary Wazer. Non, on est Mary Wazer. Mary Wazer. C'est quoi ça, Mary Wazer? C'est quoi le programme? On parle d'un gagne fille. J'en ai marre, il y a que des fils de pute sur cette fille, je me fais ah, tac. Ah ouais. Quoi, l'autre, il a croisé les bras, il a dit un gagne fille. Genre... La catastrophe. Mais attends, mais c'est quoi Meriwether? Vous faites quoi? On fait la sécurité. J'en ai marre, frère. Ça en fait, putain. Ouais, mais bon, quelle vie. Vas-y, bonne nuit, mon frère. Vas-y, nuit bonne. T'es là demain? Ouais, je suis là. Vas-y. Depuis petit, on me fascine. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.